Ils vivent sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Ils portent tous des prénoms différents. Dave, Carl, Paul, Mike. Ah, celui-ci, c'est Norbert. C'est un abruti. Ils sont tous différents, mais ils ont tous le même objectif. Servir le maître le plus moche et méchant qui soit. Rendre leur maître heureux était la raison de vivre de tous les membres de la tribu. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'autres passions. Oh, oh, hey, Luca, c'est mon prénom, non? Mais non, c'est la banane. Miam, miam. Trouver un maître était plutôt simple. Mais le garder, c'est là que les choses se gâtaient. N'était pas facile pour eux. Pourtant, ils n'ont jamais abandonné. Avec l'avènement de l'âge de pierre, est apparue une nouvelle espèce. L'homme était très différent du dinosaure. Il était plus petit, plus poilu et beaucoup, beaucoup plus intelligent. L'homme a tout de suite plu aux mignons et ils ont fait tout leur possible pour l'aider. Pauvre homme, si naïf, si fragile, si délicieux. La quête de ce maître a conduit les mignons à jouer un rôle capital lors des plus grands événements historiques de notre civilisation. L'Égypte ancienne semblait très prometteuse. Mais cela n'a pas duré longtemps. Les temps obscurs furent une période de réjouissance. Leur nouveau maître avait tendance à faire la fête toute la nuit et à dormir toute la journée. Rachoturi. Mais la fête n'a pas duré longtemps. Ils passèrent d'un patron redoutable à l'autre sans jamais vraiment trouver chaussures à leurs pieds. Un de leurs employeurs en particulier prit très très mal leur incompétence. Les mignons n'eurent pas d'autre choix que de continuer leur chemin. Oh, mon calais. Et soudain, alors que tout espoir semblait perdu, ils découvrirent un sanctuaire. Les mignons étaient enfin en sécurité.